impossible de s'arrêter avec un nouveau Zelda, bah oui, on est obligé de continuer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, et nous allons découvrir l'intérieur des failles dans cet épisode, qui sera le second de la semaine a priori. Ça fait plaisir. Elle est gigantesque cette faille. Je m'en doutais, je sens la présence de mes camarades à l'intérieur de la faille. En revanche, ils ne bougent pas du tout, c'est comme s'ils étaient prisonniers de quelque chose. Si on ne fait rien, ils ne pourront pas refermer la faille. Mais si on entre à l'intérieur et qu'on les libère, on pourra venir nos forces pour refermer la faille. Zelda, je pense que tous les deux, on peut réussir à les sauver. Tu veux bien venir avec moi ? Ben let's go alors, Tri. Voyons. Un peu de lumière dans cette faille sombre. On devrait pouvoir rentrer par ici. S'il te plaît, aide-moi à sauver mes camarades. Ben, nous allons faire ça de ce pas. Peut-être que c'est en sauvant ses camarades qu'on aura un triangle en plus. Ah ok, on est directement dans la faille. Putain, le temps de chargement a été super rapide, hein. Dans l'autre sens, par contre, non. Ah, en vrai, si, ça va. Hein. En vrai, en vrai, c'est rapide. Ah ouais, l'entrée est vachement plus rapide. Néant de la forêt du sud. Ah, on peut tomber. Ok, d'accord. On peut tomber. Néant de la forêt du sud. Ok. T'es stylé? C'est si le fou l'intérieur des failles. Nous sommes dans le monde du néant. Tout ce qui flotte autour de nous s'est fait engloutir par la faille. Et chaque élément va se désagréger peu à peu avant de disparaître complètement. Mais ensemble, mes camarades et moi avons le pouvoir de rendre son état d'origine à tout ce qui est ici. Je sens la présence de mes camarades un peu plus loin. Allons-y, Zelda. Bah, Link, ça fait longtemps qu'il est dans la faille, alors j'espère qu'il va... Ouais, il va pouvoir résister quand même, c'est Link. Ta-da-da-da-da-da. Hop là. Un méchant. Merde. Alors là, il y a un gros slime et... chauve-souris. Petit serpent. Cible-lui. Voilà. Non mais... Oh là là, bien joué, petit beau gobelin. Non, Moblin. Adieu. Alors, je peux aller là, direct. Sur les arbres. Ok. Oh, Martha. Et quand une personne se fait engloutir par une faille, elle est pétrifiée et ne veut plus bouger. Si on ne fait rien, au bout d'un moment, elle finit par disparaître. Bah merde, Link. Mais ça ne t'arrive pas à toi, Zelda, tu es spécial. Link aussi, alors, du coup, je suppose. On peut rien faire, là. Ok. Alors, je ne peux pas aller là. Clac. Ça vaut mieux mettre un caillou, je crois. Tu veux bien cibler ces merdes, là? Il se fait pousser. Oh, c'est de la merde ce beau gobelin là. Waouh. Attendez, on va faire tchac, tchac. Ah, tapez-le, hein. Tapez-les. Voilà, quand même. Un petit caillou. Alors, peut-être que ça servait à rien, je vais mettre un gros caillou. Ah! Tintin. On va mettre un roulé-boulé, hein. Ça me paraît très bien, ça. Ça me paraît très fort, en vrai.
Il me plaît bien ce petit roule là. Qui roule et qui boule. Du raisin. Du nectar de fruits. Parfait ça. Hop, néant de la forêt du sud, on y est encore. Ah, je peux aller là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a la carte aussi à l'intérieur. Coffre, et là il y a un truc. Ok, alors est-ce que je peux aller prendre le coffre? Je dois pouvoir, non? Je fais un petit trampoline. Faut aller sur l'arbre. Que depuis l'arbre, je prends le lit. Parfait ça. Hop, mais ça vole, hein. Il n'y a pas de... Ah non, parce que... Ah non, il vole pas. C'est parce qu'il tenait là-haut. Ok. Il tenait par ici, sinon il... Ouais, sinon il tombe. Ok. Là-dedans, il y a quoi? Hop. Un coffre. Avec un beau gobelin. Alors, on va prendre le... Le lui, hein. Le truc sert à rien. Vas-y, hop. Cours. Roule. Il est fort, lui. Hein. Petit lapin, là, il va nous carry pendant longtemps, je crois. 50 rubis aux joies, effectivement. C'est la joie. 110 rubis, ça, c'est pas mal. On va avoir de la thune. Ça permet d'avoir un quart de cœur supplémentaire. Salut toi. Mais aïe. Je pense pas qu'il ait, il ait le temps de tirer. On a défoncé sa race à lui. Vaut mieux aller là ou à gauche. On va aller voir à gauche. Ah, c'est peut-être elle, Martha. Non, c'est madame... c'est l'allié, là, non? J'ai vu cette personne au château. Comment elle s'appelle? C'est Sen, là? Si on arrive à refermer cette faille, alors on trouve son état normal. Ah, merde! J'ai appuyé sur A pour sauter, et en fait, c'est B. Voilà. Du coup, je ne vais pas aller du bon côté. Ou alors... Dans tous les cas, c'est par là. Ok. On va aller de l'autre côté, j'ai l'impression que là, il y a l'entrée. On va aller voir. On va explorer un peu. Ta-da-ta-ta. Hop. Là, il y a du rubis. Et c'est tout. Vraiment, tout ça pour un rubis, quoi. D'accord. Si j'avais su... Mais j'y serais allé quand même, hein. Mais j'y serais allé avant. Hop. Entrons dans ça, si a priori t'as un donjon. Ouais. On peut s'y téléporter, ok. C'est l'endroit où tu étais enfermé. Comment ça? Comment ça c'est l'endroit où j'étais enfermé? Nous nous rapprochons de mes camarades, je sens leur présence un peu plus loin. Ruine du sud. Avec un... Des lignes en dessous, j'ai pas compris ce que c'était. La balise était enregistrée, vous pouvez y visiter les portées depuis la carte. Hmm. Ah, on va avoir un nouveau pouvoir. Tri, vas-y, montre-nous. Ce rocher t'empêche de passer. Quand je rends son apparence normale au monde, il faut souvent que je déplace beaucoup de choses. Quelque chose me dit que ce pouvoir de déplacement pourrait être utile. Si tu me guides avec le sceptre, je peux faire bouger ce que tu veux en me synchronisant avec tes mouvements. Fais face à ce que tu veux déplacer, puis guide-moi avec X. Vas-y. Voilà, nous sommes synchronisés. Maintenant, il suffit de te déplacer. Alors, appuyez sur X pour guider Tri, les objets et les monstres que Tri touche suivront les mouvements de Zelda. Si vous êtes sur un objet avec Zelda, vous pouvez envoyer Tri dans sa direction. Ah, attendez. Ah, ok, je peux faire ça. Voilà. Parfait, ça. C'est nickel, ça. Il y a une portée.
Ouais, il y a une portée. Bon, en vrai, la portée est grande quand même, hein. Je désynchronise. Paf, je peux même faire un truc comme ça. Il y a quoi là-haut? Ah! Une échelle et il y a ça. Alors, il va falloir choisir. On va aller voir la porte d'abord. Parfait ça. Hop, parfait. Du beurre. 5 plaquettes de beurre. J'y toucherai pas, moi. Beurre phosphos. S'il y a du beurre, est-ce qu'on peut faire des... On peut faire des croissants, on peut faire des gâteaux, on peut faire ce qu'on veut, là. C'est incroyable s'il y a autant d'ingrédients. Ah, nice ça, ok. En fait, elle peut... Oh, je peux mémoriser cette superbe araignée. C'est ça qu'on veut. Ça coûte 2. Cohérent. C'est trop fort. Il s'est pété comme machin. Hop. C'est une carte. La carte du donjon. Je vous permettra de consulter le plan du donjon et du monde du néant. Ok. Ah, je peux passer. Carte. Ah, là, j'ai la carte. Dans la carte. De la carte. Ouais, alors du coup, ça va être très grand. Ça va être grand, parce que si chaque petite faille... Non, je pense pas. Mais il y a un donjon. Ah oui. Ah oui, le donjon, il se met bien, le donjon, là. Ah, c'est là où j'étais enfermé. Ok, ok, ok. D'accord, je comprends mieux ce qu'elle voulait dire par là, quand j'étais dans mon cristal, là. Ok. Tchac. Ouais, mais c'est immense. C'est immense, ok. C'est immense. Donc, vu que c'est immense... Hop. Tout, tout, tout. Faut que j'aille où? À gauche, jusque là tout va bien. Alors. Ah, j'ai un autre pouvoir avec ça. Ok, c'est... Oui, d'accord. J'ai un autre truc là-haut. Tchac. Petite trampoline, ça me paraît bien. Hein. Puis là, on va prendre le lit. Hein. Paf. Évidemment. Tintin, 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 tintin. Ah, mais c'est là où était Link, non? Ah oui, c'est là où on a commencé avec Link. Lui, il est arrivé par là. Mais c'est là où on était avec Link, effectivement. Paf. On va retrouver Link... Link méchant, peut-être. Ah oui, c'est là où était Link. C'est le tout début du jeu. On reconnaît bien ça. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait pas les failles. Ah bah oui, c'était dans le jeu et là, il y a les failles maintenant. Oula, bonjour toi. Ça ne marche pas. Toi. Est-ce que tu prends feu ou pas? Tu prends feu. Parfait. Brûle. Je pouvais l'avoir en écho, lui, ce serait incroyable. Voilà. L'écho du Dark Nut. Coup de 3, ouais.
Ça m'avait l'air trop fort. Il est lent mais insensible au coup. Ah oui. Rien que ça. Bon, ce que j'aime bien, c'est que Link, lui, il passe ses crèmes. Seulement des trucs dans ses pots, non? Non, il n'y a rien, ok. Ah oui, on était de l'autre côté, là. Eh oui. Link, on est passé sur la droite. Là, on passe sur la gauche. Ah, c'est pas mal, ça. C'est bien vu, parce que du coup, on est au même endroit, mais... Mais non. Bon, un trampoline, on s'en fout du trampoline. C'est ça que je voulais mettre, moi. Hop. Comment je fais pour... Ça. Hop. On a quoi, là? Je peux pas passer ça, il faut que je... Je peux pas juste prendre celui du dessus. Si, voilà. Hop. Comment je lui dis de prendre quelqu'un d'autre? Ah, je cible, ok. Je cible différemment. Ok. Ou alors je peux peut-être faire ça aussi. C'est mieux, je crois. Hein. Je crois que c'est mieux. Et merde. Dégage, hop. Et toi, viens là. Parfait. Ta-da-ta-ta-ta-ta, j'ai trop galéré pour ce que j'aurais dû galérer. Hein. Ok, un autre point de TP. Alors lui, il y a un bouclier. Ah, les traits, ça nous montre l'endroit où on va, ok. Très envie de prendre ça. Ok, fallait enlever le bouclier. Très bien. Alors. Parfait ça. C'est là où on était arrivé avec Link. Non, il y a un truc ici, attendez. Comment je passe? J'ai très envie de passer. Ok. Est-ce que je peux mettre un arbre? Je plante un arbre. Voilà, je plante un autre arbre. Et là, je mets un trampoline. C'est pas magnifique, ça. Le lit. Par fréquence d'utilisation. Ouais, je crois que ça va être ça. Hein. Et merde, hop. Du rubis. Au joie. Au bonheur. Alors... Petit trampoline, on revient. Ça m'a l'air pas mal. Paf. Ok. Viens là, toi. Tape-le. Alors, je peux peut-être le lancer sur la gueule? Non. Ça sert à rien. Ok. Paf. Insensible au coup pourtant. Vas-y, pète-lui la gueule. Voilà, c'est beau ça. Ah ah. Ah, attendez. Ok, non, ça change rien. Je me disais que ça pouvait peut-être servir à quelque chose, mais... On va arriver face à Ganon direct? Non, ça va être Link.
Ah, c'est ça. Salut. Non. Mais c'est le garçon qui a combattu le monstre bleu, non? Ça, on l'a vu à la fin du trailer. Non, Link. C'est comme ça qu'on récupère son épée, peut-être? Ah, il arrive à résister, hein. Il résiste, l'enfoiros. Comment je fais? Ah oui, il défonce sa race. Ok, donc on va pas prendre ça. Normalement, t'as un glouton, Link. Tu aimes la viande, non? Non, il s'en fout. Ok, du coup, faut que je mette un genre à ça. Et derrière... Ok, bon, il lui a défoncé la gueule. Ça, plutôt. Ok. Bon, bah, notre... Aïe. Brûle. Attends, mais... Ah oui, d'accord, mais il saute... C'est un méchant. C'est un très méchant. Il n'y a que lui qui lui a résisté, mais... Prenez pas de dégâts. Ah, c'est bon, ça. J'ai réussi à lui faire... Pas prendre un dégât. Ok, quand il est... Hop, merde. T'as plus la gueule, de l'autre côté. Non, il veut pas, hein. Et si j'arrive, si je lui envoie un pot à la gueule. Ah mais non, j'arrive pas à lui envoyer un pot. Alors le problème, c'est que j'arrive pas à le... Comment je fais pour le taper? Ta-da-da-da-da-da. Hop. Et lui, je te dis, tu le tapes direct. Ah, il voit pas. Il est con. Boum, il l'a pas vu. Ah ah. Boum, tu l'as pas vu. Oh là là, nice. J'ai réussi à le taper. Oula, il est plus énervé qu'énervé, là. Très énervé. Aïe, très énervé, il est... Il pète la gueule direct, quoi. Nice. Tape-le. Tape-le encore. Encore, j'ai dit. Continue. Non, continue. Tape-le. Oh là là, quel talent. C'est bon, ça. Ok, on va récupérer l'épée, du coup. Qu'est-ce qu'elle a cette épée pour que Link il l'ait et qu'en même temps ce soit pas l'épée de légende quoi. On a eu chaud. Il ressemblait au garçon qui t'a sauvé mais cette fois il t'a attaqué. Et cette aura inquiétante qu'il avait c'était les mêmes que celle des imposteurs au château. Est-ce qu'on va réussir à sauver Link? Tiens, il a laissé quelque chose derrière lui. C'est bizarre qu'il ait pu laisser une épée derrière lui. Vous avez obtenu une épée mystérieuse. Elle appartient à l'épéiste vêtu de vert. Le nom Link est gravé dessus. Ah ouais, carrément. Je ressens une grande puissance se dégager de cette arme, une puissance capable de rivaliser avec celle des grandes failles. Ce n'est pas un pouvoir ordinaire. Incroyable. Comment ça se fait qu'il ait une épée qui soit aussi forte? Alors que c'est même pas l'épée de légende. C'est peut-être l'épée de légende version pas de légende. Hein. Allez Zelda, transformation en Link. Il a le chapeau qu'il avait, Link. Incroyable. Nickel ça. Tu ressembles à ce garçon en vert, tu as l'air très forte. Appuie sur machin du haut pour brandir l'épée et passer en mode épéiste. Appuie sur ZL pour protéger avec votre bouclier et sur B pour sauter haut. Concentrez votre puissance et maintenant Y enfoncé puis relâché pour effectuer une attaque circulaire. Et on utilise ouais, la barre là-haut. Lorsque vous êtes en mode épéiste, la jauge d'énergie en haut à gauche de l'écran se vide progressivement. Vous sortez du mode épéiste quand la jauge se vide en appuyant sur la flèche du haut. Vous pouvez remplir la jauge d'énergie en ramassant de l'énergie.
Je pense qu'il doit y avoir de l'énergie là. Ouais, voilà. Vous avez obtenu de l'énergie, vous vous sentez empli d'une étrange puissance. Donne-moi de l'énergie, je veux de l'énergie, merci. Parfait. Alors on va où là? Paf. Là j'y suis allé comme s'il y avait rien mais... Ta-da-da-da-da-da. Il y a un coffre là, attendez. Il y a un coffre. Qui dit coffre dit intérêt. Tant, 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 tant. Araignée. Merci bien. Hop. Complètement busted elle aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez obtenu l'épingle cœur. Ce petit accessoire capillaire orné d'un honorable cœur vous fait apparaître des cœurs un peu plus souvent. Il existe des objets que vous pouvez porter et qui vous confèrent divers effets. Vous pouvez l'équiper depuis l'onglet tenue. Ok. Attendez. Tenue. Incroyable. On est juste équipé quoi. Bah, j'ai bien fait d'aller le prendre. Ça fait apparaître des cœurs plus souvent, c'est plus intéressant. C'est vite qu'on crève quoi. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a là? De l'épée. Par ordre de mémorisation, par coup. Par type. En fait on aimerait pouvoir sélectionner plus vite. Après cela dit, par type, il fallait faire ça. Et oui. Pour arriver au monstre. Par ordre de sélection, ça veut dire quoi ça? Ah, c'est le précédent que j'ai sélectionné, c'est ça? Ouais, ok. Alors, je peux me prendre l'épée. Là, il me faut l'épée du... la clé du boss. Ok. Je n'ai pas la clé du boss. La porte est verrouillée. Ah! Papa! Tain. Paf. Ok. Il te mémorise. L'écho de la Baba Mojo. Incroyable ça. Alors comment je fais pour aller là-haut? Faut que je tue le monstre je suppose. Là je peux sauter plus haut. Ok. Le gameplay Link quoi. Alors ça a ouvert ça, ça n'a pas ouvert l'autre. C'est pas mal qu'ils aient remis le gameplay Link, mais version plus limitée. Alors là, il y a une épée. Alors attendez, ok. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah là, je peux pas utiliser l'épée, je peux pas utiliser tri, ok. Hop. On va faire ça, et on va faire ça. Hop. Nickel. Papapa la papapapa. De la thune. Alors qu'avons-nous là? Une Baba Mojo. Ça dégage, hein. Et un coffre. Ok. Papapa la papapapa. Une petite clé. Parfait. Ça, c'est des vrais donjons à l'ancienne, là. Les fans des précédents Zelda seront contents. Moi y compris, cela dit. Oh non, j'ai plus d'épée. Je pensais qu'il y aurait encore les trucs d'épée, là, mais... Mais non. Piou. Un cœur, j'en ai pas besoin. Ok, ok, mais on va devoir s'arrêter là pour cet épisode. Decades of Wisdom, c'est incroyable.
C'est incroyable ce qui est en train de se passer, j'adore le jeu. Oui, on va retourner à l'écran titre parce que j'ai envie de voir l'écran titre, tout simplement. On n'a pas vu. Appuyez sur un bouton. Déjà, il y a un bruit de musique. Il y a un bout de musique. Ok. Très sobre, très stylé. Très sympa. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, si tout se passe bien. Normalement, oui. Hein. Il n'y a pas de raison. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.